Oh là, désolé, on se retrouve ça chelou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo ragondin qui va pas durer longtemps. Donc voilà, un petit ragondin, il doit avoir 2-3 mois. Comme vous voyez, pour reconnaître un ragondin d'un rat musqué, on le voit à sa queue. Sa queue est ronde par rapport à un rat musqué, elle va être un peu plate. Et comme vous voyez, il est en train de faire sa toilette car les ragondins sont très très propres. Malheureusement, à cause des ragondins, comme vous voyez, les berges, et ben voilà ce que ça fait. Donc c'est une sorte de nuisible qui est pas très bon pour les agriculteurs car ça casse le terrain de leurs animaux. Donc voilà. Donc après, c'est un animal très propre. C'est pas un animal de compagnie, bien sûr, c'est un animal qui a été introduit. Et normalement, il vient d'Amérique. Donc voilà, un ragondin. C'est ouf quand même. Après, là, on va pas voir, mais d'habitude, on voit leurs dents. Leurs dents soit orange, soit noire et tout et tout. Là, ces dents, je les ai vues tout à l'heure, elles sont toutes oranges. Il doit avoir un bon 2-3 mois, il est vraiment petit. Hein. Genre, il doit faire de là à là. Vraiment tout petit. Donc voilà. C'était une vidéo pour montrer ce petit ragondin. Et pour vous dire pourquoi les ragondins sont une espèce invasif et pas très bon pour les agriculteurs. Je vous ai tout dit. Voilà. C'était ça chelou. Peace.